Commencer, Jennifer. D'accord. Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette troisième conférence du Forum Famille et Société dans la série de la vision des fondateurs. Je remercie beaucoup Hannah Lottery de m'avoir invité de modérer cette rencontre ce soir. Et d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques consignes pour le côté technique, parce qu'il y aura une session de questions-réponses à la fin de la conférence. Et vous pouvez soit poser vos questions dans le chat ou vous pouvez poser vos questions directement en levant votre main dans le petit icon en bas à droite dans les réactions. Et donc, je peux prendre vos questions et vous pouvez les poser directement à Hannah Lottery. Donc, en guise d'introduction, la famille est probablement l'institution la plus ancienne et universelle de la vie humaine. On le trouve dans toutes les sociétés et elle occupe une position centrale dans la vie et dans l'activité humaine. C'est vrai que durant les générations, la famille a pris différentes formes et significations, et les transformations sociales l'affectent continuellement, mais sans pour autant la détruire. Elle appartient intrinsèquement à la vie humaine, comme l'interface entre l'individu et la société, et elle mérite d'être constamment réexaminée. Donc, cet examen de la famille peut mettre en évidence différentes dimensions, sociologiques, religieuses, culturelles ou éducatives, éthiques et de valeurs, qui sont universelles et qui peuvent s'appliquer aux autres visions du monde. Mais, quelle que soit la dimension de notre observation, la famille reste une institution remarquable et des familles saines exercent une bonne influence sur le monde. Ce soir, Hannah Lottery, la coordinatrice du Forum Famille et Société, va nous présenter la vision du fondateur de la Fédération pour la paix universelle de la famille. Et donc, Hannah, avec plaisir, je vous passe la parole. Voilà, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, très bien. Alors, dans les cadres du Forum Famille et Société, comme Jenny l'a déjà dit, le 25 février et 25 mars dernier, je vous ai exposé la vision de nos fondateurs sur l'être humain et sur le couple. Et aujourd'hui, je voudrais continuer dans cette série et vous présenter leur vision sur la famille. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'idéal de la famille de l'UPF dans plusieurs de nos conférences précédentes. Mais je voudrais y apporter quelques précisions aujourd'hui et surtout vous parler de la famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire l'origine du dysfonctionnement, des conflits, de la souffrance et comment nos fondateurs préconisent la réparation de ces familles.
D'abord, la centralité du thème de la famille dans l'établissement de la paix dans l'UPF est connue et devant. Parce que la famille, comme se trouve à la croisée de tout le domaine de la vie, comme Jenny a dit, entre la sphère privée et la sphère publique, entre la nature et la culture, entre le spirituel et le matériel. Et aussi, dans la pensée de nos fondateurs, la famille est la pièce centrale de l'idéal de Dieu. Elle est aussi au centre de l'origine de tout le conflit et souffrance. Et en même temps, elle présente la solution. Donc, en fait, dans la pensée de nos fondateurs, l'unité du salut, n'est plus uniquement l'individu, mais aussi le couple et la famille. Dans son autobiographie, Matamundi, c'est seulement avec l'aide de notre parent céleste que nous pouvons résoudre les problèmes de ce monde. L'amour de Dieu entre les époux et entre les parents et les enfants est le socle de la moralité et de l'éthique. De là naissent des sociétés, des nations et des religions saines. De l'amour de Dieu dans le foyer découlent des valeurs absolues et universelles que partagent et professent toutes les religions. Son mari, Sam Memoun, a dit souvent que les religions sont l'atelier de réparation de l'être humain. De la même manière, la famille centre sur Dieu et l'atelier de la réparation de nous en tant qu'individus. Et elle est aussi une pépinière pour les futures générations. Comme Martin Luther, le réformateur, nos fondateurs disent que la famille est l'école de l'amour et de la paix. C'est en son sein que nous apprenons comment interagir avec les autres membres de la famille, avec la société et avec la nature, notre environnement. Et comme je vous ai déjà dit la dernière fois, au stade de l'enfance, les enfants reçoivent protection, soins, affection, éducation et amour de leurs parents. Sans leurs parents, le bébé qui vient de naître est complètement voué à mourir. Donc, les parents donnent tout. Il est évident que les enfants apprennent d'abord à recevoir. Et c'est plus facile de recevoir que de donner. Mais au fur et à mesure qu'ils reçoivent l'amour de leurs parents, ils essayent de réciprocité et de donner quelque chose en retour, ne fût-ce que un sourire à leurs parents qui rend leurs parents vraiment heureux. Donc, au fur et à mesure, en imitant l'exemple de leurs parents, au fur et à mesure qu'ils grandissent et à travers leurs propres expériences de relations avec leurs frères et sœurs, leurs camarades de classe, etc., ils prennent conscience de la nécessité à donner. Donc, à l'âge de l'adolescence et la jeunesse, donc commencent les relations de dons et de réceptions mutuelles et réciproques. Et plus tard, à l'âge d'adulte, en fondant leur propre famille, en ayant des enfants et en développant une activité professionnelle, le jeune passe à une étape où la capacité de donner ou à faire des choses de manière désintéressée est développée. C'est le stade où l'on doit apprendre à donner plus que l'on ne reçoit. Les relations entre mari et femme exigent, pour bien fonctionner, là on a déjà parlé la dernière fois, sans une attitude de service et de volonté de rendre le conjoint heureux, en pensant seulement à ce qu'on peut recevoir de l'autre, on ne peut pas avoir un couple heureux. Et puis surtout, quand on a des enfants, on apprend à donner ou à se sacrifier de manière désintéressée. Donc, si une personne est capable, par la suite, d'étendre à tous les êtres humains
le même cœur ou le même sentiment qu'il éprouve à l'égard de ses enfants, et même parfois sans en avoir des enfants biologiques soi-même, cette personne est capable de développer ce genre de cœur paternel et maternel inconditionnel envers toutes les autres personnes, en les respectant et en les appréciant comme s'ils étaient ses propres enfants, etc. Donc là, on peut vraiment parler d'une personne de maturité, non? Ou dans le terme biblique, de la perfection de l'être humain. Donc, comme j'ai déjà dit, dès sa naissance jusqu'à son âge adulte, l'être humain est censé agrandir sa capacité de recevoir et de donner l'amour. Il développe des cœurs, des sphères du cœur successives. Et en commençant par le cœur d'enfant, qui reçoit l'amour de ses parents, a confiance en eux et développe à son tour une attention et affection envers eux. Et par la suite, en relation avec ses frères et sœurs, il développe une affection de soins, de services, la confiance mutuelle. Et puis, il entame une relation de couple et développe le cœur conjugal, voulant tout donner pour l'autre. Le couple se construit sur la confiance et la fidélité mutuelle. Et en tant que parent envers ses enfants, il est prêt à s'investir et à donner sans rien attendre en retour et ainsi faire l'expérience du cœur de Dieu. Ici, en fait, je voulais insister sur la successivité du processus d'apprentissage à aimer. De la même manière que dans l'éducation scolaire, un enfant commence par le CP et non à l'université, ça revient à comme si quelqu'un a des relations de couple ou devient parent prématurément avant d'avoir franchi les étapes précédentes. C'est comme envoyer un enfant de 6 ans à l'université. Donc, vous voyez mon point. Il est très important de respecter le processus de la croissance de nos cœurs et de ne pas précipiter les jeunes enfants, par exemple, dans une sexualité prémature, etc. Donc, vous êtes certainement, pour la plupart d'entre eux, déjà familiers avec notre pensée de l'idéal de la famille. Donc, je vais ici faire uniquement un bref rappel. Donc, pour qu'il y ait harmonie et paix, il faut que tous les acteurs ou composantes de la famille respectent un certain ordre et assument leur rôle respectif à l'instar de l'ordre naturel dans l'univers. Il y a l'ordre individuel de chaque planète, les relations entre les planètes et le soleil, un ordre vertical et un ordre horizontal entre les planètes qui tournent autour du soleil et du centre de la galaxie. De la même manière, il y a un ordre naturel dans la famille. Dans la famille aussi, il y a l'ordre individuel et il y a un ordre vertical. Et un ordre horizontal. L'ordre vertical, c'est la relation entre les générations, les grands-parents, les parents et les enfants. Et l'ordre horizontal est celle entre frères et sœurs dans la même famille. Et de là, se développe de cet ordre et de position respectée une morale individuelle et l'éthique dans les relations. Donc aussi, la sphère familiale, nous la présentons souvent en ayant des axes différents. Un axe vertical, comme je l'ai dit, entre les générations, et deux axes horizontaux. L'une entre les époux et l'autre entre les aînés et les cadets. Et cela centré, la sphère familiale idéale, centre sur l'amour désintéressé, pour l'autre, l'amour altruiste. Donc, de la relation découle et se manifeste des valeurs individuelles, comme j'ai ici toute une liste, hein? La pureté, l'honnêteté, la tempérance, la persévérance, la justice, le courage, la sagesse, le contrôle de soi, etc.
Il y a aussi des valeurs verticales, comme le dévouement parental, le sacrifice, le respect, l'obéissance. Et puis, les valeurs horizontales, l'amitié, le partage, la réconciliation, la compassion dans les relations fraternelles et dans les relations du couple, l'engagement et la fidélité. Nous disons aussi que l'éthique de la vie sociale est une extension de l'éthique familiale. Excuse-moi une minute, j'ai un problème de... Voilà. Donc ici aussi, dans la société, nous avons un axe vertical entre les dirigeants et les subordonnés dans une société, etc., ou entre le gouvernement et le peuple. Il y a une relation entre les hommes et les femmes, entre les semblables le plus âgé, les semblables plus jeunes, les collègues au travail, les amis, etc. Et de là, s'écoule aussi des valeurs individuelles, comme nous avons déjà vu, les valeurs verticales, la bonne gouvernance est très importante, les dévouements, la loyauté, le respect envers les autres, l'obéissance aux règles et aux lois, etc. Et puis aussi, les dirigeants qui devraient diriger avec un cœur parental, un respect envers l'âge et l'autorité et d'autres valeurs horizontales comme la réconciliation, la tolérance, le sens du devoir, la courtoisie, la fidélité, la compassion, etc. Et la fraternité. Ici, entre parenthèses, la véritable fraternité ne peut s'établir sans le parent. Donc là, c'est juste une petite... petite parenthèse. Et en plus, le respect envers les sexes opposés. Voilà. Donc aussi, nous avons déjà parlé de trois objectifs majeurs dans notre vie qui sont universels et communs à tous les êtres humains. Premièrement, d'atteindre l'harmonie et la paix intérieure. En tant que personne, l'harmonie entre notre esprit et notre corps. Deuxièmement, expérimenter la joie et le bonheur par l'amour dans les relations au sein de la famille, dans la société et dans le monde. Et développer une activité professionnelle ou créative et vivre en harmonie avec la nature. Alors, maintenant, venons-en à l'origine de la souffrance, des conflits et à l'origine du mal. Selon Samuel Moon, tous les maux qui affectent l'humanité d'aujourd'hui ont leur origine dans l'erreur commise par nos premiers ancêtres humains. Avec la chute, une attitude égoïste erronée a été introduite dans le cœur humain, ce qui a conduit à un mauvais usage de l'amour, comme on peut le voir dans les citations suivantes. Il dit, alors qu'est-ce que le mal? Le mal est l'émergence de l'égoïsme dans ce monde. Le principe du Dieu du don désintéressé a été tordu en un principe impie de prise égoïste. La position impie de désirer être servi plutôt que de servir a ainsi été établie. Et il continue à dire, quelle est la réalité de notre monde aujourd'hui? Les désordres et la maladie de toutes sortes, y compris la guerre, la violence et la toxicomanie, ont infecté l'humanité. Plus important encore, l'effondrement rapide de la moralité sexuelle chez les jeunes, l'augmentation du taux de divorce, le problème des jeunes mères célibataires et l'effondrement de la famille sont autant de facteurs qui détruisent le fondement de la société humaine. Toutes ces choses trouvent leur origine dans ce qu'on appelle la chute. C'est parce qu'Adam et Ève ont suivi l'idéal de l'amour véritable pendant leur période de leur croissance. Alors,
le récit de la Bible et du Coran et d'autres écritures saintes de tradition sur cet incident dans la première famille humaine se trouve curieusement confirmé par la psychologie et la société, sociologie moderne, c'est-à-dire des personnes, personnalités conflictuelles, des relations triangulaires, des schémas de relations familiales répétés dans plusieurs générations successives, telles que la suite de la séduction, de la domination, de l'exploitation, etc. Comme nous l'avons déjà dit, les religions et les philosophies sont présentées comme un salut ou une libération de la souffrance humaine et promettent que l'état originel d'innocence, d'harmonie et de bonheur perdu pourrait être retrouvé. Comme un médecin, elle essaye de donner un diagnostic de la maladie et en fonction de ce diagnostic, elle prescrivent le remède le plus approprié pour recouvrer la santé et mettre fin à la souffrance. La pensée de nos fondateurs, en accord avec la tradition biblique, affirme également que l'origine de l'incapacité de l'être humain à assumer ses responsabilités et de l'histoire humaine subséquente, pleine de conflits, de guerres et de misères, réside dans la chute de premiers ancêtres humains. Alors, certains pourraient se poser la question, Adam et Ève ont-ils vraiment existé? Le nom du premier couple n'est pas si important. Diverses découvertes osseuses qui sont constamment remises à jour ne peuvent servir de preuve ni prouver le contraire. Personne ne cherche d'ailleurs une tombe avec l'inscription « Ici repose Adam ». Tout argument selon lequel ils n'ont pas existé est également une pure conjecture ou une polémique. Aujourd'hui, cependant, il existe des méthodes prometteuses pour faire la lumière au milieu de l'obscurité. Au milieu des années 80, les généticiens ont fait sensation en utilisant l'ADN mitochondrial pour déterminer d'où venaient les premiers êtres humains. La recherche suppose actuellement que tout le monde descend d'une seule femme et qu'elle ait vécu en Afrique. L'analyse génétique a montré que toute l'humanité descend de cette femme à travers une chaîne ininterrompue de mères. Donc, bien sûr, l'Ève mitochondriale à son pendant dans l'Adam Y chromosomique. Donc certainement, disons, on n'a pas de preuves qu'ils ont existé, on n'a ni de preuves qu'ils n'ont pas existé, mais comme je vous dis que cette histoire du premier conflit humain, de la première famille humaine, a été transmis dans beaucoup de cultures, beaucoup de religions et traditions. Donc, et comme je dis aussi, que la psychologie moderne confirme beaucoup de choses de ce récit. Voilà, ici le récit biblique. Je vous lis pour vous rappeler Genèse 3, 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu qui connaisse le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir et qu'il était cet arbre désirable pour accueillir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea.
Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils s'étaient nus. Ils coussirent de feuilles de figuier et se firent de pagne. Ils entendirent le pas de Yahweh Dieu qui se promenait dans le jardin à la prise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahweh Dieu parmi les arbres du jardin. Yahweh Dieu appela l'homme. « Où es-tu ? » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Yahweh dit, Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Donc, vous connaissez aussi le commandement. Dieu a dit, si vous en mangez, vous mourrez. Donc, Samenoun dit à ce propos, quel était ce fruit défendu? Quelle sorte de fruit pouvait faire gémir de misère d'innombrables générations d'humanité? Pourquoi Dieu aura-t-il créé un fruit qui pour cause la misère, la destruction et la guerre? Mon enseignement est logique. Le fruit est un symbole de l'amour. Tant de mots naissent de l'amour. De l'amour peut naître un fruit bon ou mauvais. C'est pourquoi on l'appelle le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous voyons, nous sommes d'accord, je pense que ce récit biblique est symbolique, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ce symbole représente? Donc, commençons par le symbolisme de deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie symbolise l'homme en pleine vie ou Adam parfait. C'est pourquoi l'expression « l'arbre de vie » est mentionnée dans la Bible à plusieurs reprises, comme l'espoir et les désirs permanents, non seulement d'Adam, mais de tous les hommes d'atteindre la perfection. Et en voyant, on voit dans la Genèse qu'après leur chute, Dieu il a interdit à Adam et Ève d'atteindre l'arbre de vie, dans Genèse 3, 24. Et puis dans l'Ancien Testament, Proverbe 13, 12, il dit « L'espoir différé rend le cœur malade. C'est un arbre de vie que le désir satisfait. » Et dans l'Apocalypse, « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Jésus lui-même est décrit comme l'arbre de vie. Donc, le symbolisme du serpent. Que symbolisait donc le serpent qui a tenté Ève? Le serpent avec sa langue fourchue. Le serpent était capable de parler. Il ne s'agissait donc pas d'un animal, mais d'un être spirituel. De plus, le serpent savait que Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal, donc il connaissait la volonté de Dieu. Et avec la langue fourchue, il dit la vérité et le mensonge en même temps. Donc ceux qui l'entendent, peut-être qui en est séduit, entend ce qu'il veut entendre et néglige ou il est dupé hein, par la demi-vérité. Et puis dans l'Apocalypse et dans Ésaïe, nous avons les descriptions de ce serpent. Apocalypse d'abord. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduisait le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, c'était quelqu'un qui dirigeait les anges. Et Ésaïe 14, 12 à 13 dit, « Comme tu es tombé du ciel, fils de l'aurore. » Dans d'autres Bibles, fils de l'aurore est traduit par Lucifer. «
car tu as dit dans ton cœur, « Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » La conclusion est que le serpent est un symbole de l'archange Lucifer, qui après avoir tenté Adam et Ève, a été jeté du ciel et est devenu le diable ou Satan. Quel alors était son crime et quel est le crime de premier ancêtre humain? Et on se réfère ici à Chute 6-7. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur primauté, mais ont quitté leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand jour qui les a gardés dans des liens éternels au fond des ténèbres. Ainsi, Sodome, Gomorre et les villes voisines qui se sont prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente, sont-elles proposées en exemple, subissant la peine d'un feu éternel? De cela, on peut conclure que l'archange et ses disciples ont commis des crimes sexuels. Et pour les premiers ancêtres humains, c'est pareil. Or, tous deux étaient nus, l'homme et la femme, et ils avaient honte l'un devant l'autre. C'est-à-dire, ils ont perdu leur innocence. Donc, s'ils avaient vraiment mangé un fruit, littéral, et ils auraient peut-être couvert leur bouche, mais là, ils ont couvert leurs organes reproducteurs. Donc, de cela aussi, nous pouvons conclure, le fait qu'ils ont caché leurs organes sexuels indique qu'Adam et Ève ont également commis un crime lié au sexe. Donc, que symbolise donc précisément le fruit? Un arbre se multiplie par son fruit et les êtres humains se multiplient par les rapports sexuels. Par conséquent, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise l'organe de l'amour d'Ève. Donc, manger le fruit signifie d'avoir une relation sexuelle. D'ailleurs, ce terme a été utilisé dans l'Ancien Testament, souvent pour avoir des relations sexuelles, mange un fruit. Si Adam et Ève auraient atteint leur maturité, Dieu les aurait bénis en mariage et ils auraient donné naissance à de bons enfants. Mais à cause de leur chute, ils ont engendré des enfants liés au mal. Lorsqu'incités par l'archange, ils ont eu des relations sexuelles illicites, égoïstes et prématurées. C'est pour cela, à partir de l'amour, à partir de l'amour d'Ève, le bien et le mal a été décidé. Sam Mimoun a expliqué qu'est réellement le fruit défendu et le commandement de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a donné qu'un seul commandement, déclarant qu'Adam et Ève ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qu'il leur disait, c'était de ne pas abuser de l'amour. C'était le seul commandement que Dieu a donné, de rester pur. L'amour était la seule chose que Dieu devrait protéger. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'organe reproducteur d'Ève. Et Dieu a donné le commandement pour protéger sa chasteté. Le commandement était un avertissement fort concernant l'amour d'Ève. Ève devait protéger sa pureté sexuelle jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité avec un caractère centré sur Dieu et qu'elle s'engage dans un mariage béni avec la permission de Dieu. Si elle avait réussi, elle aurait multiplié l'amour, la vie et le lignage et la ligne éternelle de Dieu. Ève est cependant tombée parce que Lucifer n'a pas tenu compte de la position de son serviteur et l'a entraînée dans une relation immorale basée sur son désir excessif. Donc, la racine du péché, c'est l'amour sexuel illicite. Donc, la racine du péché se réfère au fait qu'en premier lieu, l'archange a tenté Ève
de manger le fruit, ce qui signifie qu'ils ont une relation sexuelle illicite. C'est ce que nous appelons la chute spirituelle. C'était sur le plan spirituel. Ensuite, Ève a proposé à Adam de manger le fruit, ce qui signifie qu'ils ont également eu une relation sexuelle illicite prématurée, motivée par un amour égoïste entre son larganche avant de mûrir et d'être béni dans le mariage par Dieu. Donc, c'est la chute physique. Donc, la chute a lieu en deux étapes. D'abord sur le plan spirituel, puis sur le plan physique ou matériel. Donc, ici, on voit le début des relations triangulaires entre peut-être deux femmes et un homme ou deux hommes et une femme, mais en excluant complètement Dieu de l'équation. Donc, notre fondateur explique encore, la chute aurait-elle pu être le résultat de la consommation du fruit d'un arbre? La chute d'Adam-Ève a été un péché immoral contre l'idéal du véritable amour de Dieu. Le seul péché possible qui aurait pu être fatal dans le jardin d'Éden, où Adam-Ève était en communication avec Dieu et vivait dans la joie, était le péché d'amour illicite. Le premier amour consommé de ces êtres humains. Parce qu'il était censé être la perfection de l'amour de Dieu lui-même, devait marquer le début d'une célébration qui se poursuivrait tout au long de l'histoire, remplie de l'ivresse sans fin de la joie et de la bénédiction pour Dieu, Adam, Ève et l'univers, inclus les anges. Donc, parlons des anges. Quelle était leur mission? Les anges, selon les récits de nos Écritures saintes, ont été créés avant la création de l'univers physique et ils assistaient et servent Dieu dans son long processus de création. Nous pouvons trouver de nombreuses références aux anges dans les divers récits de la Bible et du Coran. Parfois, ils apparaissent comme des messagers et des envoyés par Dieu. Et d'autres fois, ils aident ou servent les êtres humains à remplir leur mission et leurs responsabilités. Outre ces références des Écritures saintes, il existe aussi d'innombrables témoignages de leur apparition dans la vie de beaucoup d'hommes et femmes au cours de l'histoire. Des rencontres intéressantes avec des anges ont été faites par Mohammed, qui a reçu le Coran par un ange, par Sainte Thérèse, par Emmanuel Swedenborg, par Dante, qui a décrit le monde spirituel. Donc, comme nous, les anges ont un corps spirituel et indestructible, avec les mêmes facultés de cœur, d'émotion, d'intelligence et de volonté. Mais contrairement aux êtres humains, ils n'ont jamais possédé ou expérimenté un corps physique, même temporairement, dans lequel ils auraient pu grandir et se perfectionner avant de passer dans le monde spirituel. Donc, Reverend Moon nous explique, l'univers qui était l'ange le plus proche de Dieu et qui l'avait aidé dans le processus de la création du monde physique, avait pour mission d'aider et d'assister Adam et Ève pendant leur croissance vers leur maturité. Comme Adam et Ève avaient leur sens spirituel ouvert, c'est-à-dire ils pouvaient voir, parler, entendre, toucher le monde spirituel, ils pouvaient parler et communiquer avec l'archange librement, même avec Dieu. La mission de l'archange était d'élever et d'éduquer Adam et Ève pendant leur jeunesse. Il était comme un professeur chargé de leur enseigner tout le secret de l'univers. Donc, Samuel Moon a dit, Dieu a créé le monde angélique avant de créer l'univers physique. Ensuite, avec l'aide des anges, Dieu a utilisé les éléments de la création pour former les êtres humains. Dieu est le propriétaire et nous, les êtres humains, sommes ses fils et ses filles.
Les anges, quant à eux, ont été créés en tant que serviteurs de Dieu. Et ils sont donc également les serviteurs des enfants de Dieu. Parmi tous les anges, l'archange Lucifer était le plus proche de Dieu, ainsi que d'Adam et Ève. Il connaissait toutes les histoires qui se déroulaient dans les coulisses. Pendant le processus de création de l'univers, avant la création d'Adam et Ève, Dieu discutait avec l'archange et l'envoyait à faire ses courses. En d'autres termes, l'archange était comme le serviteur d'un riche seigneur. Il était également dans la position d'un serviteur pour les enfants de son maître, peu importe qu'ils soient jeunes ou immatures. Maintenant, posons-nous la question sur la motivation et le processus de la chute. D'abord, la chute spirituelle. Selon le principe divin, c'est la formulation théologique de la pensée de nos fondateurs. Avant la création d'Adam et Ève, Lucifer était dans la position la plus proche de Dieu. Il semble monopoliser l'amour de Dieu envers tous les anges et envers toutes les créatures. Et quand Adam et Ève sont apparus, l'archange s'est rendu compte dans sa perspective que Dieu les aime plus que lui. En fait, c'était aussi, je pense, une erreur de sa part parce que Dieu avait aimé Adam et Ève différemment. Parce qu'une relation entre des parents et des enfants est d'une relation d'un amour différent que celle entre un patron et son assistant, même le plus dévoué. Le lien du sang est plus profond que tous les autres liens. Donc Lucifer se trompait. Il croyait qu'il recevait maintenant moins d'amour et que Adam et Ève recevaient plus d'amour que lui. L'amour est la source de la vie et l'élément essentiel du bonheur. Pour cette raison, plus une personne reçoit l'amour de Dieu, plus cette personne devient belle. Il était donc naturel qu'Ève, qui reflétait l'amour de Dieu, apparaisse très belle aux yeux de Lucifer. L'archange qui, en tant que leur enseignant, était fréquemment en relation avec eux, il était particulièrement attiré par Ève. Il passait plus de temps avec elle et il cherchait à compenser son sentiment de manque d'amour. C'est souvent aussi dans nos familles dysfonctionnelles, quand les adolescents sont en conflit avec leurs parents, ils cherchent des relations avec le sexe opposé pour compenser ce manque d'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté cela, mais forcément, ça ne marche pas toujours. Donc, lorsque Ève fut réceptive à ses demandes, elle admirait sa sagesse et la beauté. Lucifer était plus âgé qu'Adam. Donc, Lucifer a oublié sa position de serviteur. Il pensait que s'il possédait Ève, il pourrait prendre la position et la place d'Adam et jouir dans la société humaine de la même position qu'il avait dans le monde angélique. Mais en fait, Dieu avait préconnu que une fois qu'Adam et Ève avaient atteint leur maturité, ils devraient donner beaucoup plus d'amour à Lucifer. C'était l'amour de Dieu devrait passer par Adam et Ève pour Lucifer. Et Lucifer aurait été complet et tout son manque d'amour aurait été complet. Donc, comme je dis tout à l'heure, la chute se passait dans deux phases. Il y avait la chute spirituelle d'abord et maintenant la chute physique. Donc, comme je vous ai dit souvent, que dans des relations sexuelles, des éléments
à la fois physique, matériel, et des éléments spirituels sont transmis entre les partenaires sexuels. Donc, Ève, après avoir eu une relation sexuelle illicite avec l'archange, elle était profondément affligée et triste. Elle a compris, elle avait peur. Et elle voulait absolument retourner à Dieu. Elle se sentait craintive et coupable. Donc, elle voulait chercher du réconfort auprès d'Adam. Elle avait aussi compris que son mari ne devrait pas être Lucifer, mais Adam. Donc, pour elle, comme Adam était encore intact, il semble beau et son seul espoir pour retourner vers Dieu, pour retourner à Dieu, c'était à travers Adam. Mais à cause de son immaturité et à cause de ces éléments qu'elle avait déjà reçus de Lucifer, tout comme l'archange l'avait tenté, elle tenta Adam pour qu'il se comporte comme son mari, dans l'espoir de se débarrasser de sa peur et de sa culpabilité et de retrouver sa position d'avant envers Dieu. Comme Adam était réceptif à la tentation d'Ève et motivé par un désir prématuré d'expérimenter l'amour conjugal, alors il a abandonné sa position d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, et il a consenti à avoir une relation sexuelle illicite avec Ève au moment inapproprié et motivé par un amour immature et égoïste induit par l'archange, violant ainsi le commandement de Dieu. Puis Adam et Ève ont eu honte de ce qu'ils avaient fait, ont couvert leur partie inférieure et se sont cachés de la vue de Dieu. Donc ça, c'est la chute physique. Bon, il y a beaucoup de points ici à voir, mais je ne peux pas toucher à tout. Sur certaines religions disent qu'il y a une dualité entre le bien et le mal, etc. Mais selon l'enseignement de nos fondateurs, Lucifer était un bon ange, mais seulement il était immature. Bien que l'archange ait été créé bien avant Adam et Ève et qu'il possédait des grandes connaissances en ce qui concerne son développement spirituel, à savoir la capacité de maîtriser ses propres désirs et la perfection du cœur, il se trouve dans un état d'immaturité similaire à ceux d'Adam et Ève adolescents. La raison en est qu'Adam et Ève, en tant qu'enfants de Dieu, devaient être les premiers à atteindre la perfection et l'union complète avec le cœur de Dieu. Ensuite, Lucifer et le monde angélique pourraient également atteindre leur propre maturité dans la position de serviteur de Dieu et d'Adam et Ève. Donc, ainsi, le mal a pu commencer dans l'esprit de Lucifer, qui était un bon ange au départ, en raison de son immaturité et de son incapacité à aider Adam et Ève et à le voir du point de vue de Dieu. Donc, notre fondateur dit à ce sujet, il n'y avait pas de mal dans l'esprit de Lucifer dès le début. Il n'avait que du désir, ce qui n'est pas mauvais en soi. Il avait le désir de recevoir plus d'amour de Dieu et il enviait Adam à cause du plus grand amour qu'il recevait de Dieu, c'est-à-dire de son point de vue. Le désir en lui-même n'était pas mauvais. Lorsque vous avez un désir, vous avez aussi la capacité de vous comparer aux autres. Lorsque vous trouvez quelqu'un d'autre qui reçoit plus de grâce, plus d'amour, vous l'enviez naturellement. Mais Lucifer a mal utilisé son désir. Il l'a dirigé dans la mauvaise direction. Et ce désir mal orienté a conduit à un mauvais comportement.
c'est devenu le mal. Le mal n'est pas quelque chose entièrement différent de l'amour. Le mal est le mauvais usage de l'amour. Le bien est l'utilisation correcte et appropriée de l'amour. Le bien et le mal sont partis d'un seul point de l'amour. Donc, regardons encore en détail la responsabilité de tous ces acteurs. Quelle était la responsabilité de Lucifer? Donc, nous savons qu'il aurait dû avoir une attitude et partager l'amour de Dieu pour Adam et Ève, partager la joie de Dieu de voir Adam et Ève grandir, et puis enseigner et aider Adam et Ève à atteindre leur maturité. Mais il a mal dirigé ses sentiments. Et ce sont ses désirs excessifs et illégitimes qui ont conduit Lucifer à séduire Ève et avoir une relation sexuelle avec elle. Donc, si Lucifer, au contraire, voyant que Dieu aimait tant Adam et Ève, et si il les avait aimés aussi, en les regardant avec les yeux de Dieu, alors il leur partiellement satisfait son manque d'amour, et ce sentiment naturel de jalousie et d'envie sera passé au second plan. Peut-être vous avez déjà expérimenté cela aussi dans votre vie. Vous avez une envie, un désir, mais vous savez que c'est pas bien. Et si vous le surmontez, tout cela, cette énergie disparaît et le désir s'efface. Donc plus tard, en remplissant sa mission de professeur, chargé d'enseigner à Adam et Ève le secret de la nature, etc., Lucifer aura pu faire pleinement l'expérience du cœur de Dieu et être aimé par Dieu et Adam et Ève, de telle sorte qu'il se sentit complètement satisfait et heureux. Ce qui est important aussi à remarquer ici, c'est pas Lucifer qui a reçu le commandement. Dieu n'a pas donné un commandement à Adam et Ève, mais il a donné un commandement à Ève et à Adam. Donc, la responsabilité d'Ève. Son attitude correcte aurait été de se fier aux paroles de Dieu pour maintenir sa pureté sexuelle. Quand elle était dans un état de confusion ou quand elle ne savait plus où tourner la tête, elle aura pu demander à Dieu ou consulter Adam pour recevoir de l'aide et de protection. Mais en raison de son immaturité et de son manque de contrôle sur ses propres désirs, donc finalement, elle a aussi consenti à la séduction. Et puis, en l'absence de consultation, la force de l'amour créée par le désir excessif de l'archange et son désir à Ève prématurité de vivre une expérience amoureuse complète, tout cela l'a entraînée au point de consentir à avoir une relation sexuelle avec Lucifer. Si elle aurait consulté Dieu et Adam, elle aurait pu surmonter la tentation de Lucifer. Donc, mais malheureusement, Ève a failli à sa responsabilité. Elle a perdu sa paix intérieure et sa dignité de fille de Dieu. Donc, la culpabilité, le remords, la frustration et la honte se sont installés dans son cœur. Donc, un mot sur le commandement. Le commandement, ce n'était pas une menace de Dieu. Si vous en mangez du fruit, vous en mourrez. Ce n'était pas un test sans cœur, mais c'était le commandement, de mon point de vue, c'est plutôt comme un tuteur que vous plantez à côté d'un jeune arbre pour l'orienter, le grandir dans la bonne direction. En fait, c'est tout ce que Dieu pouvait faire pour les aider. Et puis Adam, la responsabilité d'Adam.
C'est Adam et non à Ève que revient la responsabilité principale d'empêcher cette deuxième chute, c'est-à-dire la deuxième partie de la chute physique. Si Adam avait refusé la tentation de Ève, comme il était encore en relation intacte avec Dieu, il aura pu aider Ève à revenir vers Dieu. Mais malheureusement, il s'est déconnecté de Dieu et il a également reçu les mêmes éléments de peur, de honte et de culpabilité après s'être uni sexuellement à Ève de manière prématurée et motivé par l'amour égoïste appris et transmis par Ève dans son adultère avec Lucifer. Donc, la chute de nos premiers ancêtres est justement parce qu'ils étaient le premier à être une tragédie qui a touché à toute l'humanité. C'est comme un arbre qui est malade dans sa racine et qui transmet la maladie à toutes les générations futures. Donc, la chute était une erreur irréparable. Mais Dieu, dans son amour, a conçu un plan de sauver l'humanité, de la restaurer ou de la récréer. Ici aussi, il importe de mentionner le lien entre l'amour, la vie et le lignage et la transmission entre générations. Dans le christianisme ou dans la Bible, on parle du péché originel et tout genre de type de péché qui ont été transmis de génération en génération. Mais en fait, la nature humaine est essentiellement bonne et qu'il est possible, et ça c'est notre foi de tous ceux qui croient en Dieu, qu'un jour cet état originel, innocent, et beauté et pureté pour être retrouvés. La chute consistait en une dégradation ou une diffamation de la nature humaine causée par le mauvais usage de l'amour. Donc, parlons des attitudes de motivation, le point de départ du bien, du mal. Le point de départ du bien est l'attitude sage et mature qui consiste à se concentrer sur les autres et qui nous amène à penser « j'existe pour les autres » ou « j'ai été fait pour aider ou faire des choses au profit des autres ». Donc, la motivation altruiste entraîne le bon désir et fait que le bon désir vaincre le mauvais désir. Donc, si on cherche toujours le bonheur des autres avant le sien, et si on retarde ou renonce à ses propres désirs et sa satisfaction, et on met les autres en avant, c'est là qui engendre le bien. Mais ce qui engendre le mal est l'attitude immature et ignorante qui consiste à se concentrer exclusivement sur soi-même et qui conduit à penser « j'existe pour mon bénéfice exclusif » ou « les autres sont là pour que je puisse en tirer un certain bénéfice ». Cette motivation égoïste entraîne les désirs mauvais, donc je cherche mon propre bonheur au prix de rendre les autres malheureux et satisfaire mes propres désirs au prix de tromper ou de sacrifier les autres. Donc, le point de départ du bien, du mal, c'est le même. Donc, c'est notre attitude et notre motivation qui est la cause. Donc, notre état, l'état de l'humanité, des êtres humains après la chute et après des milliers de générations après la chute, elle se trouve déformée et déchue. Mais il faut savoir que tous les désirs sont neutres, ni bons ou mauvais. C'est la direction et l'utilisation des désirs qui déterminent s'ils sont bons ou mauvais. Lorsque les désirs de la nature humaine originelle sont mal orientés, donc ils provoquent une déformation, une distorsion de cette nature
dans leur lieu à la nature humaine de chute. À propos de l'égocentrisme ou de l'égoïsme, notre fondateur dit que cette nature déformée au-dessus a son origine de la chute de premiers ancêtres et peut être définie essentiellement comme l'égocentrisme et l'égoïsme. Il dit que la chute s'est produite à cause de l'égocentrisme de l'archange Lucifer qui a évoqué l'égoïsme du cœur d'Ève. La destruction vient toujours de l'égoïsme. La motivation d'Adam et Ève pour la chute était l'égoïsme. Il continue. La première femme, Ève, a été subjuguée par l'amour égoïste de Lucifer, l'ange de chute. Ève a subjugué le premier homme, Adam, avec un motif égoïste, plongeant toute l'humanité dans les ténèbres et la cupidité. Cette inversion du principe de Dieu a été le début du mal. Alors, qu'est-ce que le mal? Le mal est l'émergence de l'égoïsme dans ce monde. Le principe du Dieu du don désintéressé a été tordu en un principe d'impie de prise égoïste. La position impie de désirer être servi plutôt que de servir a ainsi été établie. Donc l'égoïsme est la base de la nature du jeu. C'est une déformation chronique de l'attitude naturelle, mais temporaire, immature et juvénile, qui consiste à se concentrer sur soi-même. Dans la croissance de l'être humain vers la maturité, il est normal qu'il est centré d'abord sur soi-même pour trouver son identité. Mais il n'est pas normal que cette attitude, cette tendance et cette impulsion persiste même à l'âge d'adulte. C'est comme une maladie chronique qui altère la direction de tous les désirs et sentiments et qui s'oppose à l'esprit originel et la conscience de l'être humain. Donc cela, nous appelons la nature de chute. Et malheureusement, nous tous qui descendons de cette première famille dysfonctionnelle, nous en avons. Donc, cette nature de chute a quatre aspects fondamentaux. Le premier, c'est de ne pas s'aimer du point de vue de Dieu, c'est-à-dire d'avoir son propre point de vue, d'insister. Et le deuxième, c'est quitter sa position de responsabilité et d'usurper celle des autres. Et troisièmement, inverser l'autre, le règne ou d'autorité. Et quatrièmement, multiplier le mal et détourner le chose ou le bien. Revenons au premier aspect de la nature du jeu, ne pas s'aimer du point de vue de Dieu. L'archange a adopté une attitude arrogante et égoïste et les envies. Donc, c'est notre tendance à s'imposer notre point de vue, notre partie est égocentrique aux autres, y compris à Dieu. C'est l'attitude de ressentiment ou de critique constant, envier les autres et leur accomplissement, ne pas s'apprécier et reconnaître leur valeur. Et quels en sont les fruits dans nos cœurs? L'arrogance, la plainte, la critique, le ressentiment, la jalousie, l'envie, l'aversion, la fausse accusation, le mensonge, l'infidélité, l'incrédulité, la trahison, la rébellion et la désobéissance. Et puis, la deuxième, quitter sa position de responsabilité et usurper celle des autres. Donc, son désir excessif a conduit l'archange à abandonner sa position et à usurper celle d'Adam. Donc souvent, notre nature de chute nous rend insatisfaits de notre propre valeur, de notre position et de notre responsabilité. Et on ne veut pas de cela et puis on n'accomplit pas notre responsabilité et on veut plutôt prendre la position et le rôle des autres. Donc quels en sont les fruits? L'irresponsabilité, la paresse,
l'indolence, l'imprudence, l'impatience, la luxure, la séduction, le sexe libre, la promiscuité, l'adultère, etc. Et l'inversement de l'autre ou de l'autorité. Lucifer a refusé de se mettre à Adam et Ève et les a dominés, les a tentés d'agir contre la parole de Dieu. Donc, il les a dominés injustement par la force, la tromperie, la demi-vérité. Il a abus, souvent ça se manifeste dans l'abus d'autorité et l'exploitation des masses par les dictateurs et les tyrans qui massacrent même leur peuple. Donc, le fruit, c'est le mépris, le dédain, le ressentiment, la haine, la colère, l'intolérance, la discrimination, le despotisme, la tyrannie, l'agressivité, la violence, le meurtre. Et entre parenthèses, le premier meurtre a aussi été commis dans cette première famille dysfonctionnelle entre le fils d'Adam et Ève, Cain et Abel, des relations sexuelles prématurées, séduire le mari ou la femme d'un autre, et utiliser autrui pour un plaisir momentané. C'est l'exploitation des autres. Et puis, le quatrième aspect de la nature de Dieu, c'est multiplier le mal et détourner les choses. Lucifer a transmis à Ève l'égoïsme et le mensonge, et elle, à son tour, l'a transmis à Adam, et ils ont transmis cela à leurs enfants, et ainsi de suite, génération en génération. Donc, accuser l'autre pour avoir été tenté et transférer sa responsabilité. Comme quand Dieu a demandé à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais c'est Ève. Et quand il a posé la question à Ève, elle a dit, mais non, c'est le serpent. Donc, le fruit de cette nature de chute, c'est l'auto-justification, le commérage, la négligence, la conspiration, l'extorsion, le vandalisme, l'abus de choses, la gloutonnerie, l'avarice, la cupidité et le vol. C'était ce dont souvent nous pensons que quand beaucoup de personnes commettent les mêmes mauvaises actions, il y a une justification par la masse. Plus le nombre de personnes acceptent le mauvais comportement est élevé, nous nous sentons plus justifiés et moins coupables. Plus le nombre d'acceptations du mal est grand, il semble qu'il devient moins faux. À cause de cette multiplication du mal, les gens deviennent confus et ne savent plus comment distinguer le bien du mal. Ça, ce sont les fausses nouvelles. Comme on dit en anglais, j'ai oublié. C'est dans les médias, on voit ça aujourd'hui souvent. Mais malheureusement, dans notre société, le mal se multiplie plus vite que le bien. Par nos mauvais exemples et nos mauvaises habitudes, l'erreur et l'égoïsme sont transmis à nos enfants, à de nouvelles générations, et nous leur posons un fardeau supplémentaire qu'ils doivent restaurer un jour ou l'autre. Donc ici, je vous ai mis un tableau de comment un même désir, le désir de réalisation de soi, ou le désir de partager l'amour, ou l'autorité et la position puissent soit devenir mauvais ou bon, selon la direction que nous leur donnons. Si nous agissons avec altruisme et suivant notre nature originelle, le bien est multiplié. Mais si nous suivons avec égoïsme centré sur nous-mêmes, les expressions de notre nature de chute, alors le mal se multiplie. Et Dieu, en tout cela, Dieu, notre parent céleste, c'est l'une des grandes révélations de nos fondateurs, qu'en fait, que Dieu n'est plus seulement un Dieu absolu, parfait, éternel et immuable, qui vit dans un état de bonheur parfait et qui est bien au-dessus de toute affection humaine. Mais si jamais Dieu est comme notre père ou notre mère originelle et qui nous aime comme ses fils et ses filles, comment peut-il être
reste impassible devant la souffrance et la misère humaine. Donc, comme l'exprime le principe divin, par la chute, Dieu a perdu ses enfants bien-aimés qui ont été créés à son image comme ses corps substantiels. Lorsque Dieu a vu que l'être humain a chuté, il n'a pas pu le supporter. Son cœur a été brisé, il a ressenti la plus grande tristesse. Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit un être si aimant. Et il a déversé tout ce qu'il avait, son cœur, son amour et son énergie, pour faire des humains ses enfants, les chefs-d'œuvre de toute sa création. L'être humain a été créé comme un être si précieux que sans lui, l'idéal de Dieu ne pourrait être réalisé. Cependant, Dieu a perdu ses enfants par la chute. L'attente de Dieu pour l'être humain est si grande lorsqu'il a commencé son œuvre de création, que la déception, le chagrin et l'angoisse que Dieu a ressenti lorsque l'être humain a chuté ont été très grands. Nous ne pouvons trouver aucune personne ou être plus affligé que Dieu. Chaque fois que Dieu voit ses enfants et sa création, cela lui rappelle la chute et le rend triste. Dieu veut désespérément que ses enfants soient restaurés et il veut les aimer. C'est pourquoi qu'il a fait la providence du salut, de la récréation ou de la restauration. Notre fondateur en parle aussi. Il dit, l'idéal de création de Dieu aurait dû lui apporter une joie et un plaisir sans limite dans le jardin de l'amour fondé sur son amour et sa vérité. Mais la joie de Dieu a été frustrée à la suite de la chute d'Adam et Ève. Il a dû travailler dur dans l'histoire pendant des milliers d'années. Vous devez faire l'expérience du cœur douloureux de Dieu, qui souffre encore aujourd'hui alors qu'il combat Satan, afin d'accomplir l'idéal de la création qu'Adam et Ève n'ont pas réalisé à cause de la chute. Vous devez également faire l'expérience de l'intense chagrin de Dieu face à la perte d'Adam et Ève lorsqu'ils l'ont trahi et ont chuté. Si vous ne comprenez pas d'abord ce qu'est l'amour de Dieu et si vous n'expérimentez pas à quel point Dieu aime les êtres humains, vous ne pourrez jamais comprendre la profondeur de son chagrin en le perdant. Le cœur de Dieu a été déchiré et brisé par un chagrin et des larmes indescriptibles au moment où Adam et Ève ont chuté. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à ce que vous ressentiriez si votre mari ou vos enfants étaient enlevés? C'est exactement ce que Dieu ressent dans son esprit. Aux yeux de Dieu, tous les êtres humains ont été enlevés et il est désespérément désireux de les ramener. La position de Dieu est presque celle d'un mari dont la femme s'est enfuie chez un étranger. Après l'avoir tant aimé, quel sentiment cet homme apprirait-il dans son cœur à son égard? Il se sentirait torturé. Voilà, en fait, je veux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de points, beaucoup de choses à dire, mais faute de temps et ne pas vraiment vous assommer davantage. Je n'ai pas non plus le temps de vous parler en détail les propositions de nos fondateurs pour aboutir à tout cela. Mais brièvement, leur œuvre pendant de longues décennies a été de révéler ce qui s'est passé au début de l'histoire humaine et comment Dieu a travaillé tout au long de l'histoire pour élever leur conscience et pour restaurer cet idéal perdu. Ils sont comme les médecins qui ont diagnostiqué la cause d'une maladie et ils ont prescrit les remèdes. Ils ont ouvert les portes de la récréation de cela, et non seulement pour les individus, mais la récréation implique le couple et toute la famille de plusieurs générations. Donc, la chose importante, c'est avant tout, c'est de comprendre et puis d'agir. Donc, je m'arrête ici et désolée, je vous ai pris beaucoup de temps,
mais j'espère que cela vous a donné quelques éclaircissements. Et je vous ai aussi mis deux publications comme suggestion de lecture. Voilà. Je vous remercie. Voilà, c'est à toi, Jenny. Merci, ah, voilà. Merci beaucoup, Hannah Lepris, pour votre présentation. Voilà, donc ça c'est pour les prochaines conférences. Donc votre présentation très, très complète nous a exposé pas seulement la vision des fondateurs sur la famille, mais aussi nous a éclairé sur leur vision de ce qui est à l'origine de la famille dysfonctionnelle, des sociétés, des nations, et aussi notre monde actuel, qui est finalement le résultat, en fait, conséquence de cette crise. Donc, il est aussi évident, je comprends, que la famille sera aussi essentielle pour la résolution aussi de ces conséquences. Et pour nous, ça sera un sujet pour un de vos conférences à venir, j'imagine. Yes. Donc, comme vous avez dit, Hannah, on n'a pas beaucoup de temps pour questions maintenant parce qu'on a quelque peu dépassé le temps. Mais peut-être, est-ce qu'on aura besoin... on a une question sur le chat. Là. Peut-être on va prendre ça. Oh non, c'est que merci, Hannah, OK? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question directement à Hannah? Peut-être on peut prendre... une question. Si oui, vous pouvez lever la main dans l'icône réaction. On peut peut-être avoir une question. Il y a quoi à réfléchir là? Donc, peut-être les questions seront pour la prochaine rencontre, j'imagine. Voilà. Donc, Hannah? S'il n'y a pas de questions, peut-être on va terminer pour ce soir. Oh, il y a Michel. Voilà. Michel, à vous. Oui, c'est une question un petit peu à part, mais je vois toujours la représentation des anges avec des ailes. Ça, ça dénature un petit peu le côté réaliste des choses. Et je voudrais bien voir dans cette représentation des anges des personnes un peu plus proches de nous, quoi, sans les ailes. Oui, mais ça vient de notre culture médiévale, probablement, de nos artistes qui ont représenté peut-être la capacité de se déplacer instantanément des anges. En fait, aussi, nos fondateurs ont dit que une fois que nous entrerons dans le monde spirituel après notre mort physique, nous pourrons aussi voler dans les airs. C'est comme si nous avions des ailes. Mais je pense que là, il ne faut pas s'en offusquer, c'est une représentation du Moyen-Âge. Hein? Les gens ont imaginé les anges ou les êtres spirituels avec les ailes. Mais peut-être si on a des artistes parmi nous... Oui, il y a des gens qui ont fait des rencontres avec les anges, comme aussi dans la Bible, on a des citations qui ont vu les anges en croyant que c'était des hommes. Vous vous rappelez quand Abraham a eu la visite des anges, par exemple? Merci. Merci. Merci, Michel, pour votre question. Merci, Hannah. On donne une dernière chance pour une dernière question. Sinon, peut-être je vais vous remercier tous pour votre présence ici ce soir. J'espère vraiment que cette conférence a été enrichissante pour vous, vous a donné une manière peut-être différente de aborder la réalité de nos familles et notre monde, et aussi l'espoir que peut-être
finalement, on peut vraiment trouver la résolution de cette crise. Et donc, j'espère que vous allez poursuivre et suivre les prochaines conférences, où peut-être vous auriez des réponses plus précises aussi pour la résolution. Et donc, j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre présence ici ce soir et encore remercier beaucoup Hannah Lottery pour sa présentation. Et donc, puis, oui. Mais je présente mes excuses pour le dépassement de temps. Vraiment, je ne me suis pas aperçue que vous demandez pardon. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de points que je n'ai pas abordés. Par exemple, pourquoi Dieu n'est pas intervenu dans la chute, etc. Ou bien, quelle est la responsabilité de l'être humain, la liaison, la relation entre la liberté, le libre arbitre et la responsabilité, etc. Et j'espère que prochainement, on pourra en parler. D'accord. Merci à tout le monde. Et vous êtes chaleureusement invité pour la prochaine conférence, jeudi 27 mai, pour continuer cette série. Vision des fondateurs, voilà, pour la famille. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, tout le monde. Merci et à, tout le monde. À bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Jenny. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye.